j'ai écouté une autre histoire dite paranormale. Il s'agit d'un chauffeur de taxi qui rentre chez lui et voit une femme âgée qui lui demande de s'arrêter. Elle rentre dans le taxi. Sur le trajet, le chauffeur de taxi voit qu'elle parle toute seule. Il ne voit pas de téléphone ou autre appareil qui indiquerait qu'elle parle à une autre personne. Il baisse la radio et lui demande si elle lui a parlé. Elle le regarde dans le rétroviseur et lui fait un signe indiquant qu'elle ne lui a pas parlé. Elle continue sa discussion. Elle commence à monter le ton. Il regarde dans le rétroviseur intérieur et voit qu'elle parle dans le vide et regarde en direction de l'autre côté de la banquette arrière, comme si elle voyait une personne à côté d'elle. Il lui demande de nouveau si elle lui parle. Elle lui répond une phrase du type « Non, je parle à lui », en montrant en direction de l'endroit où elle regardait. Mais quand il regarde dans le rétroviseur, il ne voit personne. Il commence à réciter du Coran dans ses pensées. Arrivée sur place, elle descend, mais laisse la portière ouverte. Il lui dit de fermer la portière pour qu'il reparte. Tout en regardant vers les sièges d'arrière, elle crie des phrases du type « Descends, tu vas descendre ». Le chauffeur de taxi demande une nouvelle fois de fermer la portière, mais la femme continue de crier en regardant en direction de la portière sans la refermer. Alors il s'énerve, sort de la voiture et referme la portière. Puis, il repart. Il voit dans ses rétroviseurs que la femme reste sur place. Il remonte le son de la radio. Il constate alors une immense chaleur dans le taxi. Il met la clim. Puis, il sent du mouvement à l'arrière de son taxi, et il sent ensuite des mains sur lui, comme si un être le touchait. Il n'ose pas se retourner, tout en pensant que la femme parlait probablement avec un être surnaturel. Il a tellement peur, qu'il en a des larmes qui coulent le long de son visage. Il décide d'aller à l'endroit où il a déposé la femme. La femme l'attendait, comme si elle savait qu'il allait revenir. Elle lui dit de ne pas avoir peur, tout en riant énormément. C'est alors que la portière arrière de son taxi s'ouvre, sans que personne ne l'ait touché. La femme crie en direction de la portière une phrase du type « Je t'avais dit de sortir ». Quelques secondes plus tard, la portière se referme toute seule. En partant, le chauffeur de taxi récite le Coran plusieurs fois tant il a peur. Suite à cela, il a même décidé d'arrêter d'être chauffeur de taxi.